Oh! Allez, salut à tous les amis, c'est Grony. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Rainbow Six Siege, mesdames et messieurs, avec un pack opening, un pack alpha opening. Je les ai farm, les gars. 20 packs alpha. Donc déjà, franchement, l'objectif, c'est d'obtenir quoi? Des camos légendaires. Je dis plutôt quoi? Le F2 de Twitch, j'aimerais bien l'avoir en Black Ice, déjà de 1. J'ai déjà le Black Ice, les gars, sur l'L85 de Sledge, hein, de Thatcher, que vous connaissez déjà. Je vous en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à la checker. J'aimerais bien obtenir, les gars, que vous le croyez ou non, la Scorpion en Black Ice. Et je sais pas si elle existe. Mais, ou alors, vraiment, on va dire des beaux camos comme ça, tu vois. Allez, c'est parti, on commence. J'espère que cette fois-ci, ça va pas bugger. Let's go, on commence, let's go. Ah oui, j'oublie à chaque fois qu'il faut appuyer sur Enter, je suis con. Ça commence bien les Greeny, le Cocloma. Cocloma, on dirait une spécialité. T'aimes bien les Coclomas? C'est délicieux, c'est sucré et tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, c'est bien, je suis content sur le GSA. Il a quand même un gros recul, les gars, le G18, hein, quand j'y pense. Hein. C'est un pistolet qu'il y avait dans les Battlefield, je me souviens, j'y jouais en secondaire sur les classes Sniper, les classes Recon. Tu vois, ok, un petit rare. Mesuré, ok, d'accord, sur le SR25, donc c'est le sniper hein, semi-auto de Mr. Blackbird, que je ne joue pas d'ailleurs Blackbird, faudrait que je le teste un peu plus souvent, d'accord. Allez, on va voir ici le troisième, un common. Le camo sport là, tout claqué là, tu vois. C'est vrai que Castle et Pulse, je les ai pas joués depuis des années maintenant, je vais pas vous mentir les gars. Je sais que c'est des persos que les gens ils aiment bien parfois, mais... C'est des persos qui me parlent pas forcément dans leur gameplay, même si leurs armes sont bonnes, tu vois. Ah oui, le petit chibi Capcan en pendentif, je dis oui. Franchement, je dis oui. Ça a beau être rare, j'aime bien. On en est où ici? Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Équipement de tête courant sur le dock. Ok, pas mal. Le dock, les gars, qui va arriver d'ailleurs avec une très très bonne vidéo prochainement. Voilà, alors on a quoi ici? Ok, traîner. Il est beau les gars. Sur le F2 de Twitch, franchement, je dis oui. Franchement les gars, je le trouve bien. Vous le trouvez comment les gars? En tout cas, je suis content parce que j'aurai un beau skin sur mon FAMAS, tu vois. Donc pour ma part, je dis oui, c'est validé les gars. C'est validé par la Street Zer, par les babioles Zer. Oh, la G36C en blanc. Blanc et jaune comme ça, pas mal. Embouteillage, tu vois ce que je veux dire? Pour ça les gars, faut éviter les embouteillages. Allez en trottinette électrique, wow, c'est ça la vie. Allez, ouvre-toi. J'espère obtenir vraiment quelque chose d'intéressant auquel je m'attendrai pas. Splitter Muster, c'est un uniforme rare, mais j'ai déjà, on va dire, fini le Battle Pass et j'ai obtenu un magnifique skin sur mon Blitz, tu vois. Donc je vois pas l'intérêt, je le mettrai pas. Mais en tout cas, c'est bien, c'est cool, c'est cool. Or, on a quoi ici? Ok, d'accord. Le skin sur l'arme justement de Bugzir qui s'appelle Folie. Pas mal du tout. Franchement, pas mal. En tout cas, ça changera. Tu vois, ça fait papier peint cartoon dégueulasse comme ça, mais... Allez, je le prends et je ne bronche pas comme on dit. Oh! Oui! Death Etruction, les gars. Death Etruction, vous allez détruire cette barre de pouces bleus, les reilles. Ce pendentif, les gars, en plus j'en parlais il n'y a pas très longtemps, je regardais un mec jouer, il avait les pendentifs, il avait ça, il avait un alpha pack, et il avait aussi les gants en feu. Franchement, les gars, je suis comme ça dans ma tête, actuellement. Je suis précisément comme ça, tu vois. Wow. C'est exactement le cri que je vous ai lâché quand je les ai obtenus. Je suis content, c'est un pendentif, mais j'aime bien. Oh! Ah oui, le LFP, les gars, en royal, je dis oui! Les Grillo! Il est beau, les gars. Je vous jure qu'il est beau. Regarde, on dirait, tu vois, blanc, comme du nacre, comme ça, des perles nacrées, bleues et dorées, la dorure et tout. Non, franchement, bien. Bien, bien, les gars. Je valide. Qui valide ici? On est bien, on est bien. Franchement, on est bien pour le moment. Alors, on a quoi ici? Lui, il a même pas eu de couleur. Il a même pas eu de common, rare, légendaire, épique, rien. Tu vois, il est sorti de la forêt. Ce alpha pack, il est sorti comme le camo, de la forêt, mon frère. Espace 12 sur Valkyrie, ok, d'accord. Oh, oh! Oh, sur le Ita, nice! Franchement, nice, Bomberos. Rappelez-vous, les gars, j'avais déjà eu l'autre
Kaketiyas, je crois qu'il s'appelait comme ça. L'autre skin qui est magnifique aussi sur l'arme secondaire de Mira et de Rakan. Tu vois, et non, franchement, bien. Je suis content. Je suis content. Je suis content, mesdames et messieurs. On a quoi ici? Voilà, un skin tout claqué, tout claquax, les rails, hein. J'ai envie de dire un peu comme le niveau. Non, je vais pas très chelque, je vais pas très chelque parce que c'est pas bien. J'aime pas, il est moche. On continue de regarder? Pas mal, pas mal les gars. Pas mal. Franchement pas mal. C'est ma petite MP5, les gars, Doxer. Franchement, les gars, je suis heureux. Hein, petit camo bleu avec des fleurs. Bon, ça fait un peu trop peace and love et tout, mais c'est pas grave. Tu vois, j'espère avoir le Black Ice à jour sur mon petit doc d'ailleurs. Ah oui, excellent. Sur le Super 90 de Frost. Pas mal. C'est bien, c'est original. Tu vois, les fleurs et tout. D'ailleurs, je kiffe son skin Elite. À Frost, c'est un délire. Alors, ici, on a quoi? Concrètement. Oh! Pète sa mère, les gars! J'ai eu un outfit légendaire, les gars! Elle a un sacré fessier d'Odu, Mira, quand j'y pense, hein, tu vois? T'as vu avec ses petites bonbonnes à pression et tout dans le sac à dos et tout? Non, franchement, terrible! J'aime bien, les gars! Franchement, j'aime bien! Il est pas mal! Ah bah, franchement, merci! Merci parce que ça me fait du bien! Je remercie parce que ça me fait du bien de faire, mais de savoir que j'ai au moins des bonnes choses. J'ai pas toujours des trucs claqués, tu vois? Donc, non, franchement, cool! Encore un truc mauve! Mais je suis le. Anarchie américaine. Je suis vraiment lucky, les gars. En plus, sur Valkyrie, non, franchement, pète sa mère, les gars. Y a rien à dire. Et franchement, les gars, je suis chanceux. Je devrais économiser souvent mes alpha packs et vous faire des open comme ça. Vous en pensez quoi? On a quoi ici? Un common? Attends. Ouais, bah sur la K12, les gars, j'ai quand même des magnifiques camos. Hein. D'ailleurs, Fuse, je comprends pas le délire, les gars, de Ubisoft avec Fuse, et en tout cas sur mon compte. Ils m'ont dit, toi, t'es un joueur Fuse. Ils m'ont donné tous les camos sur la K12, des camos même que tu sais même pas qu'ils existent si je les ai. Tu vois? Et sur les joueurs que je joue, véritablement, ils me donnent jamais les camos. Ça, c'est peut-être pour que je continue à jouer, pour que je continue à économiser les Alpha Pack ou à délire comme ça, tu vois? Je devrais jouer, on va dire, tu vois, la psychologie inversée avec Ubisoft. Genre, je vais me mettre à jouer Fuse, ils vont me donner des camos sur des persos genre Buck, Doc, etc. Toi, tous les persos que je kiffe, Ella, etc. Tu vois? Voilà. Ben voilà, les gars, sable mouvement. Ben regarde sur Fuse, encore une fois, c'est un délire. Au moment où ce que je vous dis Ubisoft, ils me donnent que des trucs Fuse. C'est un délire, les gars, voilà. Donc, c'était tout hein, pour les packs Alpha. Donc, j'en ai ouvert 20. Franchement, les gars, archi kiffant. Là, actuellement, les gars, je suis hors 3. Et puis, ben, manquez pas les vidéos récentes à venir du très très lourd. C'était Grony, la babiole en chef. Je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao, les gars. À plus. Bye bye. Et ça s'est passé en live sur twitch.tv/grony7. Les amis, 20 packs alpha. Ça veut dire quoi? La suite des alpha packs opening. C'est parti, les gars. On commence directement. Je les ai farm, les gars. Je ne les ai pas achetés. Pourtant, regardez, les gars. 130 000 de renommée. Vous ne rêvez pas. Je peux m'en acheter des packs alpha. C'est parti. On commence. Ça commence un cas common, tout dégueulasse. La glace pilée sur la penonante de Rook et Doc. Ok, d'accord. De toute façon, c'est un camo, celui-là il pop tout le temps, c'est un délire. Un rare, on a quoi? Splittermuster. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut l'équiper genre directement ou pas? Parce que c'est plutôt intéressant. Hein. C'est mieux que le skin de base, moi j'aime bien, il est plutôt intéressant. Allez, boum, on enchaîne. Salut à tous ceux qui arrivent sur le live, d'ailleurs ça me fait plaisir, vous êtes plus de 100 là, ça me fait super plaisir. Alors, le camo champignon claqué. J'aime pas trop. En fait, j'aime bien parce qu'il est coloré, tu vois. Mais genre, in-game, ça va pas rendre super bien, quoi. Wamai et, bien entendu, IQ, hein. J'ai rien à vous présenter. Hog. Super barbe, les gars. Oh, il est magnifique, les gars. Franchement, il est beau. Moi, je le trouve beau, les gars. Vous en pensez quoi? Ça fait un délire un peu graffiti. Tu vois, camo graffiti comme ça. Jaune, mauve, vert, orange et tout. Celui-là, j'aime bien. Franchement, celui-là, j'aime bien. Celui, j'ai dit oui, comme on dit. Alors, on a quoi ici? D'accord. Gorotskoy sur Monsieur Capcan. On a quoi encore? Allez, un petit Black Ice, les s'il vous plaît. Au moins légendaire. Parce que l'autre fois, j'ai été vraiment éclectique. Ok, sur le SR25. Il est pas dégueu, mais je dirais pas qu'il est beau.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, si j'ai rien d'autre que le base, bah je prends celui-ci, quoi, tu vois. Je l'avais déjà eu, c'est un doublon, et du coup, ils m'ont donné 300 de renommée. C'est peu quand même, hein. 300 de renommée pour un doublon de skin, c'est pas beaucoup. Un rare. D'accord, prédateur sur glace et un doublon, encore et toujours. 1300 de renommée pour un rare. 300 pour un peu commun. Ok, d'accord. On enchaîne. D'accord, je l'avais déjà. Encore un doublon. C'est un délire, ça. Pourquoi vous me donnez que des doublons, les frères? Faites péter le Black Ice, les reilles. Faites péter le Black Ice. Pas mal. Franchement, pas mal, les gars. Sur ma G36C. Donc, pour le moment, c'est juste sur H. Mais la G36, elle sera aussi sur Yana. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne secondaire Granny 7. La présentation et découverte en profondeur de la nouvelle map rework de Oregon. Et... ainsi que les tests et compétences de gadgets de Yana et Oryx, les gars. Allez la voir, franchement, plutôt intéressante. D'ailleurs, si je pense, je la mettrai sûrement dans l'espace commentaire ou quoi. Police de Hong Kong, c'est un camo tout claqué, frère. Non, franchement, j'aime pas trop. Sur Nock et Lésion. Et de toute façon, je le joue jamais, moi, le 6-12, les gars. Allez, s'il vous plaît. Quelque chose d'intéressant. Un légendaire. Oh, excellent les gars. Ça je dis oui les reilles. Ça je dis oui les gars. Regardez-moi ça, on dirait, tu vois les casques, tu vois dans les trucs la Bioman et tout le bordel là, tu vois les trucs à l'ancienne et tout. Je te jure. Ça, oh là là, franchement pète sa mère. Non, c'est ma petite Zofia les gars, en plus je dis oui. Je suis plutôt content. Petit camotissage, ok. Sur le petit 5-7, les gars. 5-7, très très bon pistolet. Hein. J'aime beaucoup. J'utilise beaucoup sur Thermite, d'ailleurs, notamment. Allez, on a quoi ici? Un camo rare. Oh, un Chibi Valkyrie. Mais je l'avais déjà parce que j'ai acheté le camo Valkyrie. Ah, j'ai un autre camo. Moi, j'ai un camo Valkyrie Skin Elite, tu vois. Ok, d'accord. En pendentif universel, ok, c'est cool. Il sert complètement à rien, lui, hein. Il me donne des trucs sur des persos que je joue jamais en plus. C'est ça qui est ouf, tu vois. Ou rarement. Le camo Maui. Mouais. Je dirais pas mais oui, mais mouais. Je préfère l'autre, le tissage était bien plus intéressant. Ah oui, ah oui, ah oui. Vaquero. M'a l'air pas mal. Franchement, il m'a l'air pas mal, les gars, sur la G36. C'est un délire le nombre de camos que j'ai sur la G36. En fait, on dirait un camo en cuir. Tu vois ce que je veux dire? Boisé et en cuir comme ça. Il m'a l'air vraiment intéressant. Ça, c'est un style très classique. Les darons, ils vont aimer ce genre de camo, je crois. Moi, j'aime bien ce qui est plus flashy, tu vois. Pendentif universel, AB positif. Le groupe sanguin et tout, carrément. Ok. On a comme un pipeline sur le PMM. Superbe pistolet, le PMM. Archi puissant, super agréable à jouer. Claqué au sol, white noise. Claqué au sol les gars sur Fuse. Bon bah voilà les gars. Franchement, en tout cas dans la première partie du pack alpha opening, j'ai eu énormément de chance. Dans le deuxième, claqué au sol, laissez-moi un pouce bleu. Ça s'est passé en live sur twitch.tv/grenny7. Je suis actuellement en live, dédicace à tous les abonnés, tous les viewers, tous les gens qui follow, qui me donnent la force. Ça me fait super plaisir les gars de continuer cette aventure sur Rainbow Six Siege. C'est parti les gars, let's go. Et ne manquez pas les vidéos récentes et les vidéos à venir parce qu'il y a du lourd qui arrive. Ciao, merci.